Ma mère, tu ne sais pas que quand le ventre a faim, là, la tête travaille. Oh, je confirme. Toi-même, tu comprends alors que les affaires de Callbox, là, ce n'était pas ton couloir, non. Voici ton vrai business ici, là. Ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est que demain ou après-demain, quand tu vas ouvrir un grand restaurant, c'est que toi, ça sera qu'elle a pris l'argent, elle a trempé, elle a vendu, machin, truc. Alors que voilà ça, tu commences doucement, doucement devant nous. Hier, c'était petite purée, omelette, spaghetti. Aujourd'hui, beignet haricot bouillé, la puissance. Je suis fière de toi, maman. Quand on regarde ceux qui ont réussi, là, on s'inspire, non? Normalement. Et il y a les coachs là que je suis sur TikTok. Ce sont elles qui me guident. Hé! Hey, toi aussi, je suis les coachs sur TikTok. Bien sûr. Ah. Sauf celles qui parlent de mariage, là. Parce que je n'ai même pas envie que les filles célibataires viennent me dire ce que je vais faire dans ma vie de couple. Je te comprends parfaitement, ne t'inquiète pas. Attends, mais donc tu penses que c'est moi qui vais rester derrière? Tu crois que je vais rester dans les affaires de Callbox si longtemps? Jamais. Je suis déjà en train d'économiser mon argent petit à petit. Dès que ça atteint là, le quota là, j'achète d'abord Orange. Tu vois le PDG d'Orange là, non? Je l'envoie d'abord. Ça sera mon coursier. Un peu, j'ai faim, je l'envoie. J'ai une petite ambi là, je l'envoie. Il ne part pas, je bloque sa connexion. Il comprend un peu ce que c'est. Raïssa, la fille des grandes ambitions. Ah, maman. Tu parles même d'ambition comme ça là. Est-ce qu'il a fini de te raconter? Mon projet le plus important, tu vois les zones à risque là où les gens construisent partout là, non? J'achète leur maison, j'achète des parties qui ne sont pas encore construites. Comme ça, on limite un peu les dégâts. Ah! Maman, achète une fois tout le Cameroun. Ouais. Waza, bonjour. Donne-moi juste une minute. J'ai un petit détail, je reviens. Adaïch, félicitations pour ton initiation dans le BHB, beignet haricot bouilli. Tu sais que c'est ça que Francine Ngannou va manger avant son combat le 28, non? Ça va alors. Donne-moi un bloc-notes. Je ne vends pas le bloc-notes. Comment ça? Attends, tu ne me vends pas le bloc-notes ou alors tu ne vends pas les bloc-notes? Je ne vends pas le bloc-notes. Mais n'est-ce pas voir souvent les bloc-notes ici? Waza, je ne te vends pas le bloc-notes. C'est ce qu'il fallait me dire. Ça veut dire que tu es lâche ou alors tu as peur de moi. Mais ce n'est pas bien. Dans la vie, il ne faut pas être sournois. Si tu as un problème avec quelqu'un, appelle la personne, tu lui dis... Waza, tu as fait ci, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. Là, je réfléchis, je vois si je dois te pardonner ou pas. Tu me fais pas avec le bloc. Là, ça ne te concerne pas. Mmh. Parce que là, tu es déjà en train de violer mon intimité. Et je n'aime pas ça. C'est un peu comme si je te demandais la couleur de ton soutien. De toutes les façons, hein, ce que tu vas faire avec le bloc là ne va te servir à rien. Ça ne va t'amener nulle part. Donc, hein? Prends ton argent. Non, non. Tu n'es pas mieux placé pour savoir ce qui est bien pour moi ou pas. Non. Bon, si tu veux savoir ce qui est bien pour moi, c'est quoi la couleur de ton soutien? Waza. La couleur de mon soutien, c'est arrivé là-bas. C'est toi qui as commencé par violer mon intimité, non? Donc, du coup, je me sens obligé d'égaliser quelque part. Quitte. Pas de chez moi. Donne-moi alors un stylo et un format. Le stylo et le format là, non. Tu peux acheter ça ailleurs. Ce n'est pas la seule boutique du Carrefour ici. Et va aussi demander la couleur de mon soutien ailleurs. Ah, je demande à Aïssa. Pardon, disparaît. Ok. Regarde-moi ces pieds. Aïssa, Nadège m'a envoyé te demander la couleur de ton soutien. Je ne manque pas, elle est là, tu peux demander. Oui, je n'ai pas dit que tu manques. Merci. Reviens le soir. Le soir? Yes! Le génie! Le génie! Bonjour Nadège. Bonjour Takam. Bonjour Raï. Bonjour. Et comment?
Ça va et toi? Ça va. Alors, tu peux me faire les transferts orange de 2000. Ok, d'accord. Je vais alors au travail. Le soir. Tu n'as rien à me dire. Je ne sais pas. À quel sujet? Tu ne te repousses de rien. Ah ouais, on devait se voir. Je devais t'appeler. En fait, comme il était dit qu'il partait chez mon oncle là. Quand il arrive chez mon oncle maintenant, on a coupé la lumière là-bas. Donc, ma batterie était même déjà faible. Quand elle quitte chez mon oncle, tout le trajet là, il cherche la lumière, il voit. Non, il n'y a pas la lumière. Tout le trajet, zéro lumière. Quand il arrive à la maison, mon téléphone est éteint. Il n'y a toujours pas la lumière. Et c'est comme ça qu'il est branché en attendant que la lumière vienne. La lumière n'est jamais venue. Je suis désolé. Ok. Bon, on se voit alors le soir, non? Le soir, c'est là. Merci. C'est pas que ça me plaît pas, ça me plaît, mais le truc c'est que, en fait, il y a au boulot aujourd'hui, il y a l'after work. Donc, je connais pas trop ce que c'est. Mais il y a un collègue qui m'a dit que c'est souvent le soir. Donc, il veut découvrir aussi ça aujourd'hui. Donc, mais si on finit tôt, non? Comme hier, il a dit que tu faisais signe hier, là, je te fais donc signe aujourd'hui et comme ça, on se voit. Donc, je t'appelle. Ok. D'accord. Je cours travailler. Okay. Le soir. Ok. Nadé, le soir. Bonne journée, Kaka. Tu passes une bonne journée. Bonne journée. C'est quoi? Ta tête pèse déjà juste à ce que tu la portes dans tes mains. Non, j'ai même pas envie de rire là où je suis. Tu as envie de pleurer. Pour qui? Je dis, donc quand on dit que l'argent change les gens là, c'est ça? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Takam a complètement changé depuis qu'il travaille. Je ne le reconnais plus. Il a des comportements bizarres. C'est que depuis qu'il touche au biais violet, là, son cerveau ne tient plus. Ça bouge un peu. Il a la grosse tête. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'il a la grosse tête. C'est à cause de quoi alors? Pour moi, c'est la seule explication. Ce n'est que parce qu'il touche à de l'argent maintenant. À cause de ton fils. Comment ça? Je ne sais pas, mais Takam digère très mal le fait que tu aies déjà un enfant. Je ne sais pas comment il a appris, mais il prend ça très mal. Est-ce que c'est une nouvelle que je cache? Dernièrement, c'est devant lui au restaurant qu'on m'a appelé pour me dire que l'enfant est malade. De plus, je lui ai demandé si c'est qu'il a un problème avec le fait que j'ai un enfant. Il m'a dit que pas du tout. Il faut en parler avec lui. Si tu ne le fais pas, ça ne peut pas marcher entre vous. Parler de quoi, Nadège? Si tu as un problème avec le fait que j'ai un enfant, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas m'en parler? Après, ce n'est pas comme si je suis restée comme ça un jour, je lui ai dit que mon enfant a besoin de quelque chose, l'enfant a besoin de ci, l'enfant a besoin de ça, ou bien je ne sais pas trop. Pourquoi il n'en parle pas avec moi? Moi, je n'ai aucun problème à ce que tu aies un enfant. Parce que l'enfant, c'est la bénédiction. Si tu as déjà un garçon, ça veut dire qu'on va devoir faire une fille pour que le garçon ne soit pas isolé. Waza. Qui est derrière moi? Non, je suis venu voir le soutien là. Je me suis rappelé que le soir, je dois aller chez ma tante. Du coup,
mieux tu me libères maintenant. C'est pour ça que je suis avec les lunettes. Waza, si dans les 3 secondes qui suivent, tu n'es pas quitté derrière moi. Waza, qui est derrière moi? Ça va, alors je vais repasser le soir. Il faut en parler avec lui. C'est un sujet sensible qu'il faut parler avant de commencer toute relation. Courage. Ok, la fille qui envoie les mineurs acheter le préservatif officiel, bonjour. Tu penses seulement, attends un peu. Tu n'as besoin de rien aujourd'hui. Non, enfin, je demande ça parce que je peux t'être utile. Aujourd'hui, là, je n'ai rien à faire. Ok, ça tombe même bien. Tu as une idée de là où je peux trouver ta cam? Ta cam? Oui. Mais pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Je ne comprends pas. Bon, je veux dire, pourquoi cherches-tu parmi les chômeurs celui qui travaille déjà? Tu as déjà recommencé avec ta philosophie, non? Non, regarde, bon. Tu es très bien habillé. Merci. Et ton vêtement laisse ressortir les traits de ton soutien. Et ce qui me rend un peu curieux. Je peux connaître la couleur de ton soutien. Aïe. C'est juste pour ma culture générale. Merci, bonne journée. Bonjour, je peux avoir un jus? 500. S'il te plaît, tu as une idée de là où je peux voir ta caméra? Vous ne faites plus voyager les gens. C'est à nous que tu viens demander ton partenaire d'affaires. Je t'ai parlé là-bas. Tu ne m'as pas parlé, mais moi je te parle et je te parle à haute voix. Bimbo. Bimba. Jusqu'à elle ose même me parler, c'est quoi ça? Je ne te parle pas que toi, c'est qui? Tu es quoi? J'ai moi dit que tu tournais là comme un mauvais esprit. Oh, je veux le français. Oh, je veux le jus. Alors que c'est ta cam que tu cherchais. C'est dans la bouteille de jus là que tu veux le mettre. Tu vas trouver ta cam dans l'eau. Pour faire quoi avec lui? Quand tu me regardes, elle peut chercher ta cam. Jusqu'à ce que tu me parles de ta cam, je ne parle. Ne dites même pas où il est, ça fait quoi? Silence! En grosso modo, il était question pour moi aujourd'hui d'analyser en profondeur et en superficiel la nature et la couleur des sous-vêtements. Alors, il en ressort clairement que Raïssa, étant donné que tu es noire et que jusqu'à présent tu as su conserver ton teint naturel,
Je pense que tu es une amie de la nature. Par contre, ton soutien est de couleur verte. Et quant à toi, Nadège, étant donné que tu es une femme mature qui sait ce qu'elle veut dans la vie, je pense que ton soutien, c'est de couleur noire. Et quant à toi, compte tenu du fait que tu es jaune, belle, et que tu as encore toute l'avenir devant toi, et que très bientôt tu vas être amoureuse, je pense que ton soutien est de couleur rose. Hey, Bimoulet d'abord, merci à vous, la communauté Bimoulet, la grosse communauté Bimoulet, pour la force que vous représentez pour nous au quotidien. Merci pour toutes les vidéos que vous regardez tous les jours. Alors, cette petite capsule, je m'adresse rapidement à toute ma communauté en Afrique de l'Ouest. Je suis chez vous. Je suis chez vous cette semaine. Donc, on est à Dakar. Je suis à Dakar ce vendredi à l'Institut français de Dakar au Sénégal. Je suis là. Tous mes fans du Sénégal, venez, on va faire un spectacle ensemble. Ça va être magnifique. Déjà, jeudi, on est sur scène. Et puis, vendredi encore, on est à l'Institut français de Dakar. Tous mes fans du Sénégal, venez, venez, on va faire le show ensemble. Et mes fans d'Abidjan, j'arrive chez vous. La communauté camerounaise d'Abidjan, la communauté ivoirienne d'Abidjan, j'arrive chez vous pour mon one-man show Citoyen Lambda le 26, 27 et 28 octobre prochain. Je joue au Dikoko Comedy Club, c'est à Cocody. Donc les tickets sont à 10 000 et à 5 000 étudiants. Prenez déjà vos tickets, prenez vos tickets, retenez les dates 26, 27 et 28. Donc 26 et 27 et 28, on est au Dikoko Comedy Club. Et le 20 octobre, on est à Dakar, au Sénégal. Donc, merci pour la grosse force que vous représentez pour nous. Merci toujours de nous soutenir. Et rendez-vous mercredi prochain, toujours sur cette même chaîne YouTube. N'oubliez pas, la chaîne YouTube, on est le mercredi, c'est Carrefour Power. Et le samedi, c'est École Publique. Le vendredi, c'est École Publique. Bon, ça va, et à tout, Babadé. Ne brisez pas la nourriture, là. Quoi? Quelle fun? Ils ont compris bien, non? C'est quoi? Non, pas la nourriture. Voilà, c'est quoi? Coupe maintenant.